Faible Élie en Jésus-Christ, moi salue nous, nous nous sauver. En lui-même nous choisit. En lui-même nous élit. En lui-même nous gain espérance. Lui-même qui au-dessus de toute l'autre pouvoir, toute l'autre divinité, c'est dans nous moi salue nous matin. Comment nous tout dire? Moi espérer que nous bien. Matin, nous voulons parler un peu sur le sujet ça. Et après ça, nous tous avons accès pour nous poser des questions. On s'attend pour nous parler. Si Dieu a dit comme ça, période de la loi ancienne comme marche à suivre à Israël. Référence là, c'est Psaume 147, verset 19 à 20. Et doctrine Christ là, ou la loi nouveau, période là, grâce là, comme marche à suivre pour l'église là, qui c'est nous ensemble chrétiens. Matthieu chapitre 28, verset 20, 2 Jean chapitre 1er, verset 8 à 10. Alors, parfois, il y a un peu de monde qui n'a pas distingué période de la loi, ou sinon t'es capable de dispensation la loi, que bon Dieu te baille une loi, loi ça qui te gagne un ensemble des commandements là-dedans, un ensemble des ordonnances, qui te un nombre 613, qui te comme constitution, comme marche à suivre, peuple IA, littéralement qu'il te choisi parmi tout l'autre peuple comme peuple pâle. Pour te mettre en pratique. D'après Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 7, Israël c'est unique peuple parmi tout l'autre peuple, bon Dieu t'a choisi comme peuple pâle. Et d'après Psaume 147, verset 19 à 20, bon Dieu t'a bâillé une loi comme constitution qui pour être capable de vivre en pratique. Chaque saou que je fais, mais c'est ça qui est dans la loi, juste, qui est en référence pour vous pratiquer. Et bon Dieu t'a pas exhorté dans Deutéronome chapitre 4, verset 2, puis il a retiré un yen dans la loi pour vous pas pratiquer, et puis il a ajouté un yen dans la loi pour vous pratiquer que la loi va demander. Mais Israël te gagne dit. Yo te violé Deutéronome 4, verset 2, ya. Verset 1, ya de. Yo te ajouté et yo te retiré dans la loi, mon Dieu. L'église là, qui c'est un peuple spirituel, qui est différent à Israël, qui c'est un peuple littéral, et de même genre, après l'église là, qui est une alliance, qui fait partie, qui est différent avec l'alliance que Israël te fait partie. Et mon Dieu, qui mettait l'église là dans la période de la grâce ou dispensation de la grâce, bon Dieu baille l'église là, bon Dieu baille l'église là, il y a une doctrine. Doctrine ça, il y a un ensemble des ordonnances, des commandements, pour que ensemble des mondes qui constituent l'église là, qui c'est un peuple spirituel pour bon Dieu, tu es capable de marcher. Doctrine Christ là, c'est lui qui comme constitution pour l'église là. En dedans doctrine Christ là, on joint loi bon Dieu, qui c'est loi nouveau en Jésus-Christ, d'après Galates chapitre 6, verset 2, qui c'est comme marche à suivre pour l'église là capable de fonctionner. Mais je ne j'ai dit à quelques chrétiens, pas qu'à différencier principe qui fait partie de la loi ancienne et principe qui fait partie de la loi nouveau qui c'est doctrine Christ là. Ensuite, yo même pas qu'à distinguer principe qui a pratiqué de nos jours qui pas gagné pour être ensemble avec ni principe la loi ancienne ni principe la loi nouveau qui se doutre Christ là, mais yo se pas pratiquer yo comme yo pratique yo levé joine yo même yo pratique aussi.
Frère Avesem, je vous dis à nous besoin de faire les biens pour tout le monde capable de comprendre tout ça à pratiquer pour gagner connaissance sur la pratique là exactement. Que bon Dieu bénisse nous capables de poser des questions, maintenant nous.